super. Ça fait déjà une 10 minutes que je me bats contre ce lion, j'espère le battre. Non ! Non ! Ouais, il me reste un point de vie. Je vais vraiment mourir le temps que j'ai envoyé le live. Tu veux vraiment lancer un live ? Bah oui ! Sérieux ? Mais pourquoi tu joues hors live en fait ? Ah bah j'ai pas joué, j'ai juste voulu faire... comment dire ? Bah c'est Unity en attendant. Non, j'ai juste voulu, tu sais, faire le secret, enfin dévoiler le point d'interrogation, et en avançant mec, je me suis rendu compte que c'était un lion. Mais bah c'est Unity mec. Non. Bonjour Aurel. Bah, heureusement qu'il y a un centurion qui vient m'aider pour le lion. Ça c'est cool. Je vois. Bah non, parce que t'es pas sur le live. C'est vrai. Ah mais ça a bouffé. Facile. Comment il est mort le lion. C'est drôle. Bon, comment ça va Aurel depuis tout à l'heure? Oui. T'as vu que tu t'as mis la télé ou pas du tout? La télé? Ben oui, t'oublies pas que t'es encore en train de rater les épisodes de... Ah oui! Good Doctor. Ça, j'ai oublié que c'était ce soir. Oh merde, j'ai oublié de regarder le replay. Bah moi aussi j'ai oublié. C'est pour ça que j'ai dit je vous voyais sur Discord, mais je savais pas si t'avais capté, alors j'ai dit je vais te le dire vite fait, mais on regardera les replays si tu veux. Ouais, vas-y. Bah, même ceux de la semaine dernière. C'est de... Ça fait longtemps qu'on dit qu'on va regarder, et puis ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé. Bah, on a regardé d'autres choses, en fait. Bah ouais. Mais ouais, tu fais bien de me faire penser, du coup. Là, je viens de renvoyer un stream de mon côté. Ah d'accord, autant pour moi. Ouais, je faisais une mission spéciale, et je me suis dit, je vais la streamer, même si je stream une heure... histoire de montrer un petit peu de rien faire manquer au stream quoi. Voilà. D'accord. Ok, bon bah je te dérange pas plus alors. Ouais vas-y. Bisous. Je suis vraiment au stream déjà. Tu peux vérifier ou. J'ai rien. Non, j'ai regardé téléphone. Parce que d'habitude, quand je vois un stream, tu sais, genre il y a 300 personnes qui disent bonjour quand je stream avec la touchière. Ah, tu crois? Ouais. Je suis pas sûr. Si, je t'ai promis. Bah, sur Black Ops 3. Là, je suis sur Assassin's Creed, donc du coup, il y a un petit peu moins de monde.
Re-Cindy. Je trouve pas le docteur. C'est sur la première. Mais non, mais je vais pas regarder les épisodes de cette semaine, je vais regarder le replay. Sinon, j'ai rien comprendre. Mais attends, je suis repassé sur toi dans le passé ou quoi? Dans Good Doctor ou dans Assassin's Creed? Bah, je sais pas, le seul replay c'est épisode 1 et 2, et je pensais que j'étais vachement plus loin en fait. Ah, mais ça fait pas longtemps que ça a commencé cette série. Mais c'est bien le gamin qui est trisomique, enfin qui bégayait. Il est pas du tout trisomique, mec. Il bégaye. Mais pas dans. Pas du tout. Et c'est quoi son problème? Ah non, il a des tics. Il est autiste. Ah. Je vois. C'est Arthur et les Miniboys qui l'a rendu comme ça, non? C'est pas dans le même univers. C'est très drôle. Est-ce que je pose la question en étant sérieux? Je ne sais pas. Bon, mais je trouve pas les replays. Attends. Tu regardes sur mytf1.fr? Oui. Moi j'ai le replay de l'épisode 9, 10 et 11. Bah je sais pas. Mais je crois qu'elle a regardé depuis directement son décodeur. Mais le décodeur d'Orange. Toi t'es pas chez Orange toi? T'es chez Bouygues? Non, je suis chez Vert. Vert? Mais c'est pas... c'est nouveau? C'est drôle, c'est de l'humour. Ah d'accord. Tu connais? Je connais l'humour. Vous savez que j'étais viré de mon collège, j'étais puni. Ah, c'est Philippe qui parle. Salut Philippe. T'as déjà été viré en un mois, bien joué Philippe. T'inquiète pas, t'as pas loupé grand chose, je viens de commencer le jeu là, ce soir, à l'instant même. Corde de Nalos. Enfin, non, en fait, peut-être pas, mais bon. Qu'est-ce que tu deviens, Philippe? C'est génial, Lausanne. Il y a toujours pas les mottes. C'est pas grave, c'est 15 jours, c'est pas définitif, ouais, mais c'est pas mal quand même. Alors que la rentrée c'était il y a un mois. Non, t'as pas mal géré, mec, t'as pas chômé. Bien joué, Philippe. Se rend tapis avec lui. Les motos F avec les motos. Enfin, les motos F avec lui, tu penses qu'elle sera directement rentabilisée? C'est vrai, c'est possible. Yo! Kha'Zix, bonjour Kha'Zix! Kha'Zix. Non, non! Pas le feu, non!
comment tu vas? Très bien. Et toi? T'as changé de pseudo? Non. C'est juste que je me souviens pas de toi étonnamment. Ce qui est étonnant. Pourquoi? Attends, mais c'est chelou, ce Kha'Zix, si ça me dit quelque chose, mais je me souviens pas pourquoi. Après une longue période sans internet, je reviens, t'avais pas internet? Il est chef. Ça fait 69 jours que t'es abonné. Merci de dire cette information cruciale. Pourquoi t'as coupé ton micro? Tu manges ou tu regardes la télé? J'ai l'impression que tu me réponds ou tôt ou alors tard, mais je comprends pas. C'est qui est dur à Mikar? Quelqu'un de pas du tout trop important sur le live, pas du tout. Merci Kha'Zix pour ta générosité. Waouh. Voilà, je suis là, mais bon. Faut vu où? Non. Trouve la tablette ancienne, t'es sûr qu'il y en avait une ici. Moza, oui, Cindy, dis-moi tout. Qui a-t-il? Attaquez! Est-ce que tu te rends compte de rire?
accueillir sans tarder. Yo, Zirox. Bonjour. Comment tu vas, mec? Tu t'es mouru encore d'une fois, il se passe quoi? Qu'est-ce qui t'arrive avec Twitch, Shindy? Je t'ai envoyé une photo. Vas-y, attends, je vais aller voir. Ça va, t'arrives à gérer Twitch? Tu y vas pas trop? Que les Cercopes ont caché la massue en bois de vie d'Héraclès. Je t'ai envoyé une photo. Ah d'accord, je viens d'en savoir. Alors, Twitch ne répond pas. Ah mais ça n'a rien à voir. À chaque fois que je vois le chat, nickel, l'image freeze, et voilà, je pense que ma tablette m'aime plus. M'aime plus ou trouve que je regarde trop ton live. Mon live. Ma tablette m'aime plus. Non, ça doit être. C'est simple. Enfin, je sais pas si tu m'entends du coup. Quand ça te fait ça, c'est simplement ta tablette, c'est ta tablette qui bug. Vérifie si t'as fait tes mises à jour ou quoi que ce soit. J'imagine que tu les as faites, mais ça doit simplement être ta tablette qui... tu dois ouvrir trop de live en même temps, je pense. C'est la seule et unique réponse que je peux avoir. Tu dois faire trop de choses en même temps sur Twitch et ça doit te faire bugger en sorte. Je pense, hein. C'est la seule réponse qui me paraisse logique et ta tablette doit pas suivre en fait. Parce que ce que t'as là, c'est juste un crash d'application en fait, rien de plus. T'as entendu tout ce que j'ai dit tout ce que j'ai dit ou pas, Cindy, juste avant? Alors là, on est bon. Est-ce que je continue à faire des quêtes principales? J'ai pas mal de nouveaux lieux. Ça sert à quoi? Ça me sert à pas grand chose. Je vais quand même aller là pour voir ce qu'il y a.
Ouais, je t'ai répondu, tu m'as répondu où? Sur WhatsApp? Ou alors j'ai peut-être pas fait attention. Je t'ai envoyé une photo et après tu m'as envoyé dans ton. C'est les deux seuls messages que j'ai vus. Après j'ai peut-être pas fait gaffe sur. Sur WhatsApp. Ah si, ouais, effectivement. D'accord, ok, Cindy. Non, je pensais que t'avais ouvert plusieurs lives. Et que t'avais bugué ou. Ou alors c'est juste la qualité du live qui est peut-être trop grosse. Essaie de baisser un petit peu, de pas te mettre en source. Et te mettre peut-être en 720p ou un petit peu en dessous, mais un petit peu en dessous après ça va être moche. Mais c'est de la qualité du live qui doit pas être adapté à la tablette. De toute façon, c'est un crash d'application que t'as eu. Et si t'as souvent ça, c'est juste que la qualité doit être un peu trop haute du live. Pourquoi tu m'envoies ça, Cindy? Comment tu veux voir le logo d'iPhone? C'est parce qu'il a fait des dons en bits. C'est moi qui ai mis le logo d'iPhone. Ouais, ça marche aussi, Aurel, t'as raison. Les deux options sont possibles. Ok, Cindy, je pensais que tu parlais à quelqu'un d'autre au début, je me suis dit, mais what? Mais attends, mais à qui tu parles? Je comprends pas. Alors du coup, qu'est-ce que je peux faire dans le jeu? Je vais peut-être faire les missions un petit peu principales. Je suis niveau combien là? 21? Niveau 21, j'ai toujours pas de membre du culte à qui je peux jouer facilement, donc on va aller... directement faire les quêtes principales, hormis si j'ai quelque chose d'autre à m'acheter. Je voulais demander à George ce qu'il avait acheté comme arme, mais bon. Je sais pas spécialement quoi prendre pour l'instant. On va continuer les quêtes principales, je pense. On va faire la plus proche, mais si. Non, elle est trop haut level. On va faire celle de niveau 20. Au moins, je vais être tranquille. J'ai pas lu.
Ah mais c'est pas une quête principale, je suis bête. Les quêtes principales sont là. L'Odyssée. Parler à Hippocrate. On va aller parler à Hippocrate du coup. A plus. Ouais vas-y à plus, tu dois y aller. Pas de problème. Pas de problème Philippe. Bonne soirée à toi et bonne nuit. J'imagine que tu vas te coucher à cette heure-ci donc. Bonne nuit à toi Philippe. Passe une bonne et agréable nuit. Et à bientôt Philippe. De toute façon je stream pas longtemps, c'est juste histoire de rien louper, de rien faire manquer au stream. A plus Philippe. Je vais faire que je vais parler à Hippocrate. Voilà l'établissement d'Hippocrate. Et ouais, du coup, Aurel, tu joues à quoi toi en ce moment? Tu m'as dit que tu jouais. Bah, à rien en ce moment, tu t'ennuies pas mal, t'attends d'autres jeux? Tu aimes les Uncharted? Je sais que tu voulais jouer un petit peu Uncharted, si tu veux. Si tu veux, je. J'ai laissé tout jusqu'au 17. Merci pour le follow, mec. Merci beaucoup. Sans tatou, bienvenue. Ça me fait bizarre. Je regarde mon retour de live du coup et je vois les alertes de stream. Elles sont vraiment belles. Je fais brûler cet endroit et toi en plein milieu. Mais je t'ai dit tout ce que je savais. Je ne demande pas grand-chose. Hippocrate, au nom de l'ordre public, doit faire preuve d'humilité, se prosterner devant les dieux et reconnaître qu'il leur doit ses dons. Mais ça n'aidera pas ses patients. Ça ne fera que l'éloigner de ses tâches. Si Hippocrate croit pouvoir saper la société pour s'élever au rang de demi-dieu des soins, je peux te prédire que les dieux chercheront à se venger. Alors attends, qu'est-ce que je vais lui répondre? Juste me remettre sur le live. Hop. Pourquoi cette équipe de voix recule d'ailleurs? Oh, je vais l'engueuler un petit peu. Éloigne-toi de ce garçon. Maintenant. Qui ose menacer la prêtresse Terra? Moi. Alors recule. Tout de suite. Apparemment, les dieux veulent que j'accorde une nouvelle chance à ton maître et à toi. Très bien. Dis à Hippocrate que s'il ne fait pas preuve de contrition devant les dieux, je lèverai une armée de fidèles contre lui. Si ce médecin ne trouve pas d'offrande digne des dieux, sa tête fera l'affaire. T'as toujours du retard, Aurel. Oui, elle est partie. J'ai bien cru qu'elle allait me tuer cette fois. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon nom est Sostratos. Chrysis a accusé mon maître Hippocrate de sacrilège. Et c'est le cas? Il estime qu'au-delà des prières, les gens ont le pouvoir de se porter mieux en veillant eux-mêmes sur leur santé. Très intéressant, ça. Est-ce que je peux le voir? Désolé, il n'est pas là. Je dois voir Hippocrate. Je vais le trouver. Si tu dois aller voir Hippocrate, je peux te demander un petit service. Ça dépend du service. Il faudrait que tu lui apportes du matériel. Il est parti si vite qu'il l'a oublié ici. Je dois le porter. Je me charge de l'apporter à Hippocrate. Vraiment? Oui, contre rétribution. Et ça ne te coûtera rien. Je veux dire que ça ne te coûtera rien, de toute façon j'ai pas besoin d'argent et puis... En plus de ça, je dois parler à Hippocrate donc c'est sur mon chemin donc... Je vais lui apporter son matériel. Tu as toute ma gratitude. Comment saurais-je que j'ai affaire à Hippocrate? Suis la route au sud-est du Guédéra vers la grotte de Pan.
Il sera tout près de cet endroit. Cherche une longue file de malades. Il est presque chauve. Mais à ta place, je n'en parlerai pas. Tu viens pas à la Paris comme truc, Aurel? Je viens de faire mes accréditations aujourd'hui là. Je leur ai envoyé un mail et tout. Un seul homme pourrait tous les aider? Bah du coup pour tout régler, normalement tout devrait être bon. J'espère, je les ai reprévenus, ils m'ont renvoyé un mail et tout, ils ont l'air d'être courtois. Pas bête, donc j'espère qu'ils vont pas faire les mêmes erreurs que chaque année. Parce que chaque année ils m'embêtent. Donc on verra bien ce qui se passe. Oh, je suis content pour l'accréditation des Dior. J'ai retrouvé une belle photo, donc ça va lui plaire. Est-ce que je me mets sur le champ de bataille? Non, je vais faire ça après hier. Hey. C'est prévu que tu y ailles, toi? Tu me tiens au courant? Moi, j'y vais vendredi. C'est une femme qu'on contrôle dans le jeu? Non, c'est au choix. T'as le choix entre une femme ou un homme. Et tu vis l'aventure... Bah, dans une perspective ou dans une autre. Même si, en gros, c'est des histoires similaires et remodelées... Pour le personnage. Merci Zach pour le follow, bienvenue. Ah non, je voulais prendre le trésor avant. Bien, quelle est la cause de l'état de cet homme? Comment tu peux déjà jouer au jeu? Ubisoft m'a envoyé le jeu vendredi. Donc du coup, depuis vendredi, je peux jouer au jeu. Négligence qu'il souffre. Négligence? De bons repas et des vêtements chauds l'auraient sûrement aidé. Mais d'autres guérisseurs ont estimé que son état était un châtiment des dieux et l'ont négligé. Un défi aux traditions. Tu dois être Hippocrate. C'est plus pour vous. Et je suis très occupé. Mais t'es sûr de venir? Parce que, bah du coup on y va avec Cindy, sa copine et Dior vendredi et les autres je sais pas ce qu'ils vont faire. On doit y aller qu'une seule journée normalement. J'attends la réponse normalement sous 3 jours. Je verrai comment ça se passe, mais sous 3 jours ils devraient me répondre, j'espère qu'ils vont pas être trop lourds tout simplement. Tu m'écouteras quand même, ça ne sera pas très long. Ça ne prendra qu'un instant. Je ne veux pas t'éloigner de tes patients, ni de tes élèves. L'observation, l'étude et l'expérimentation sont indispensables au traitement. Voilà ce qu'apprennent mes disciples. J'arrive de ton établissement à Argos. Sostratos m'a demandé de te remettre ceci. Je savais que j'avais oublié des choses. Sostratos est un bon médecin, mais c'est surtout un élève hors pair. Tu lui as demandé de te payer pour ce service? Non. Je savais que cela t'aiderait à soigner tes patients. Et ça m'a suffi. Un geste admirable. Et quel est ton nom? Cassandra de Sparte. Ravi, Cassandra de Sparte. Que puis-je pour toi? Je cherche une femme, j'ai besoin de ton aide. Je lui dis que j'ai besoin de mon aide, de son aide. Hippocrate, j'ai besoin de ton aide. On m'a dit que tu avais peut-être aidé ma mère. J'essaie de la retrouver. Oh, nous en voyons beaucoup des mères. Elles viennent de loin pour qu'Hippocrate s'occupe de leurs enfants. Les prêtres du sanctuaire d'Asclépios pourront peut-être t'aider. Ils tiennent des registres de ceux qui viennent les voir. Je t'en prie, Hippocrate. J'ai fait un long chemin pour te voir. Comme ce patient, celui qui était avant lui et celui d'avant encore. Mes patients ont besoin de moi, mais on m'a volé mes notes sur les mots de l'esprit. Retrouve-les et je t'aiderai en retour. Fais vite, ce patient n'en a plus pour longtemps. De qui moi je me la pète? Le Alexandra à gauche? Cassandra, pardon. Moi, non, pas du tout. En fait, ça dépend de mes réponses. Je vais voir la Cindy, ça va être comique. Ah, on verra bien. Bonne chance, nous comptons sur toi. Mais ouais, il y a des chances que tu puisses l'avoir. Peut-être.
Cassandra, non. Bon, en même temps, elle aide quoi. normalement, il doit y avoir un trésor. Donc là où ça n'a rien à voir, mais non. J'ai moins de un trésor là-dedans, je sais pas où il est. Piller le trésor, je veux bien, mais. J'en ai aucune idée de là où il est. Ok, on verra. Ni pute ni soumise. C'est à peu près ça, ouais. Je fais ça, je vais. Une vraie Lara Croft. Je plaisante bien sûr. Toi, une vraie Lara Croft. Oui, j'ai devant la voix. Je sais pas si Edger est sur le stream, les gars. Demandez à Edger s'il est là sur le live. Les sont bien gardés. Pourquoi? J'ai une question à lui poser parce qu'il a déjà fait un truc que j'ai pas encore fait de mon côté. Non, mais rien que boire un café, ça serait cool car déjà 2 ans à écrire derrière un écran, c'est bien. J'ai ma dose de clavier là. Bah, en vrai, oui, j'imagine. Bah, tu sais. À chaque fois, ça fait bizarre de rencontrer les abonnés en vrai, en fait. À la Paris Games Week, ou même. Je me souviens d'avoir été à Disneyland avec certains abonnés et tout. Et en gros, c'est drôle de pouvoir les voir, etc. Bah, même à chaque fois, tu sais, genre, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un sur internet et qu'on la voit pour la première fois. Après, c'est de parler pendant des ans, des années, pendant des mois, des semaines, ça fait bizarre. Il est pas là, genre merde. Bon, tant pis. Mais il est avec moi sur Discord, mais bon, il doit être occupé, donc j'ai pas non plus un peu de dérange. Je suis désolé. C'est très drôle. C'est très très drôle, Aurel. Très. Oh là là, c'est hilarant, Aurel. J'avais pas du tout ce genre d'idée en fait, Aurel. Bon, c'est pas exactement la même chose. Non mais c'est vrai qu'à chaque PGW, tu sais, bah il y a des abonnés qui viennent, etc. Donc ça fait bizarre de les rencontrer. J'ai rencontré quelques bons abonnés qui repassent et tout sur le live récemment. Et c'est un plaisir de les voir. Enfin, ils sont... Donc, c'était cool. Je vais faire ça!
Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je dois répondre à ça, Aurel? Qu'est-ce que tu fais ici? Cet Hippocrate qui m'envoie. Ton commandant. D'accord, Aurel. Bon, ça va. Je crois que c'est toi qui les as. Celle du grand Hippocrate en personne? Je regrette. Elles ont brûlé lors du dernier assaut. Quoi? Tu as bien entendu. La tente médicale a brûlé. Mais je les avais lues, et je m'en souviens. Je les transcrirai quand cette guerre m'en laissera l'occasion. Ouais, alors carrément, Aurel. Avec moi. Un patient d'Hippocrate risque de mourir sans ton aide. Regarde, j'ai déjà un patient qui a besoin de moi. Personne ne peut s'occuper de ça à ta place. Je suis le seul médecin ici. Laisse-moi. J'entendais, tu vas venir tout de suite. J'ai de quoi te payer. Je veux dire que j'ai de quoi lui payer. Tu dois te faire payer comme n'importe qui d'autre. Alors, quelle que soit la somme que te donne ton commandant, je te donnerai plus. Allez, partons. Pour laisser mourir cette personne? Je veux bien accepter, mais à deux conditions. Merde. Je t'écoute. Tu me paieras le double. Une vie, ça coûte cher. Et pour l'amour des dieux, pas un mot à Hippocrate. Salut Grima. Bien, prends ces 10 000 drachmes. Toi, tu ne vois pas ce prix. Bon, allez, je le paye de toute façon. Je suis pas riche, mais bon. Je m'en fous un petit peu. Yo, Grima, du coup. Yo, les hommes, vous faites un chocolat chaud. Vas-y, tu peux me faire un chocolat chaud, s'il te plaît, aussi, Cindy, au passage. Ce serait gentil. Hippocrate ne ferait jamais passer l'argent avant la vie d'un homme. Mais prends, si tu tiens absolument à jouer les mercenaires. Je te retrouverai là-bas. Et fais vite. Retournez voir Hippocrate. Salut. Bon, madame machine à laver. Ah, il a pas de madame Aurel. Il a pas de madame chez lui. C'est compliqué. Du chocolat blanc en poudre. Avec une petite guimauve dessus et du chocolat blanc en poudre dessus. Ça, un chocolat chaud grand luxe. J'y vais. Hippocrate. Ah là là, les femmes. Comment va-t-il, Mal. Dimas, qu'est-ce que tu fais ici? Je l'ai eu pour qu'il vienne. Soignons plutôt ton patient. Dimas insistait pour venir. Non, ce serait... J'ai pas menti dans le jeu. Je sais pas vraiment s'il y a des conséquences du fait de vraiment mentir de... Bon, après, c'est un petit mensonge, mais bon. Je l'ai payé pour qu'il vienne, je vais être honnête. Tes notes ont été détruites. Alors les pires, vous êtes les pires, Cindy. Tu avais promis de ne pas lui dire. Absolument pas. Ah là, les non-binaires, on n'en vole pas assez des non-binaires. Dimas peut nous aider. Nous avons un homme à sauver. Il vivra. Si nous avons terminé, je vais m'occuper d'écrire ce que je me rappelle de tes notes, Hippocrate. Je vais aller voir les prêtres pour tâcher d'en savoir plus sur ma mère. Bien. Tu as eu une dure journée. On ne saurait sous-estimer l'influence de ce que l'on mange sur la santé. Et quel bienfait peut apporter une pomme? Eh bien, une pomme chaque matin éloigne le médecin. Mais
Plus sérieusement, je sais pourquoi tu es ici. Tu cherches ta mère. Tu te souviens d'elle ? J'étais jeune alors. Je n'ai pas su comment lui venir en aide. Mais je n'ai jamais oublié sa détermination et son désespoir. Ils restent gravés dans mon esprit et le resteront pour toujours. Depuis, j'ai juré à Apollon de ne plus jamais renvoyer un patient, de vouer ma vie à cette cause. Voilà l'empreinte que le courage de ta mère a laissée en moi. Elle serait heureuse de l'apprendre. J'ai envoyé ta mère au sanctuaire d'Asclépios. Annonce au plus âgé des prêtres qu'un traitement contre la maladie sacrée sera bientôt disponible. Cela l'incitera peut-être à te parler. Merci pour tout, Hippocrate. Je vais aller le voir. Qui est terminé. Vous avez un dialogue avec que des émotes. Chico. Chico, mon ami. Bonjour, Chico. Non, merci Aurel. Du coup, Aurel. Difficulté difficile. Difficulté normale. Pourquoi difficulté difficile ou difficulté normale? Récompense, casque, casque. On a des plus grosses récompenses à gagner là-dedans. Revenu de la faction des Spartes lors de la bataille de 1-1, l'aide à remporter la victoire sera récompensée par deux éléments d'équipement épique. On va aller là-haut. Même si les équipements épiques. Bon, en fait, on va un peu les couilles. Bon, on va essayer quand même de gagner cette quête. Je suis où d'ailleurs, moi? Je suis en haut là-haut. On va se téléporter directement là sur Plut. Moi, je suis nul, non. De qui, de quoi? Hey, Dio, mon ami. Bonjour, Chico. Bon, qu'est-ce que tu fais, Chico, à Sorcy, maintenant que t'as platiné Fortnite? Bah, Fortnite, pff, je suis en train de voir une image de Fortnite, du Fortnite. Mais depuis que t'as platiné ton jeu, là, Spider-Man. J'ai fait des accréditations pour la PJW. Tu peux pas de... Mince, pardon. Tu peux pas demander d'accréditation, il faut avoir... je crois que c'est 10 000 abonnés pour faire une accréditation de Chico, donc ça va être compliqué. Tu comptes pas venir, du coup, à la PJW. J'ai demandé à Assassin's Creed développeur. Tu leur auras pas parlé de moi dans le mail, j'espère, Chico. Non, parce que fais pas de la... Ne leur demande pas, ça sert à rien. Dis-toi que il faut que t'arrives, enfin... Si les développeurs me donnent des jeux, c'est pas parce que je leur ai demandé gentiment et je leur ai fait des courtoisies, je sais plus comment on dit ça, bref. C'est pas parce que j'étais gentil devant eux, c'est parce que je le mérite, tu sais, genre en gros ça fait des années que je fais du Twitch, je fais du Twitch depuis que je suis tout gamin, enfin du YouTube depuis que je suis gamin, c'est une passion depuis... depuis gamin, du YouTube, Twitch, tout ce que tu veux. Et surtout, tu as bien marché, du coup, j'ai continué. Et ils font ça parce que ça leur est intéressant à eux de leur côté, en fait. Essaie de pas trop en vouloir dès le début. Fais-toi plaisir et de pas trop insister. Parce que mettons que bah ça fonctionne un jour pour toi, Twitch, comme ça a fonctionné pour moi sur Black Ops 3, etc. Si un jour tu te retrouves à 600 viewers et que tu vas voir des marques et tu leur dis « Salut les gars, votre travail je le trouve bien et j'aimerais bien le tester, en profiter aussi un petit peu, le faire partager à ma communauté. » Si tu dis ça alors que tu les as fait chier pendant 3-4 ans juste avant, ça m'étonnerait qu'ils t'envoyaient... je pense qu'ils vont plutôt t'envoyer paître en fait. Ok, Chico. Mais fais attention, essaie de faire les choses dans l'ordre, Chico. Ton arrivée nous offre l'occasion idéale d'attaquer les frontières athéniennes. Si tu acceptes de nous rejoindre, bien sûr. Fais les choses dans l'ordre, et ça payera un jour ou l'autre. Je me battrai pour Sparte. Mon épée sera avec toi, Spartiate. Excellent. Il ne fera pas bon être athénien aujourd'hui. Écoute, Papa Moza, oui, s'il te plaît. Merci beaucoup, Cindy. Je vais me donner... Non ! Et Jor ! Tu vas vraiment dormir à sortie, non ? J'ai une petite question à te poser, mais du coup, j'ai la réponse. Et c'est qui... t'es qui, Grima ? T'as un pote à Aurel ? Bon, bah vas-y, Jor.
Je me suis mis du côté des plus faibles. T'as déjà gagné une épreuve du genre ou pas, Edjan? Bon, je sais pas qui faut que je batte. Bonne chance, merci beaucoup. En gros, je me suis mis la difficulté est en difficile. A tous les coups, il y a des mercenaires en plus qui vont m'attaquer. Sérieux? Ça va être tendu. J'ai tué le chef de guerre, non? Concentré de ouf, hein, j'ai vraiment pas envie de perdre. Là, en fait, je suis vraiment. Ça va vraiment être super chaud. Mais si je gagne le double de récompense, donc bon, j'ai quand même essayé. Mais il y a très très peu de chances que je gagne. D'où Jésus. Je sais pas si un tueur de garde en mode ça fait vraiment bien XP. Dites-moi si vous voyez la barre des cendres en bas en haut. Ah, du coup oui, elle va descendre mais. Ah, c'est un mercenaire. Ouais, elle descend un tout petit peu quand je leur fais des dégâts, mais c'est pas ouf. Et du coup, j'ai commencé Inception comme Platine samedi. D'accord. Bah, tu l'as commencé samedi, tu l'as fini à. En combien de minutes? Je sais pas en combien de minutes j'avais fait, moi je crois en 20 ou 30 minutes, je sais pas. Non, je le commence. Ah, je le commence, d'accord. Bah, regarde comment j'ai mis le temps sur PSTHC et essaie de faire mieux que moi. Tu sais quoi, pour être gentil,
tu peux prendre le temps que j'ai mis sur PS Vita. Sur PS Vita, j'ai vraiment galéré. J'ai galéré de ouf. Le jeu, j'ai. Genre, je l'avais repris en. Alors que j'avais pas joué depuis des mois. Je me rappelle plus des trophées ni rien. Et j'ai tellement galéré à reprendre le jeu. Donc en soi, tu peux facilement faire mieux que moi. Enfin, avec un peu de chance. Vas-y, on verra samedi soir en Discord, vas-y. Bah tu le fais en live au moins le jeu, non? Mais arrête de t'énerver comme un débile, hein. Soit concentré, soit déterre et fais les choses bien, d'accord? Side. J'ai battu. Ah, t'as pas vu le lion que j'ai battu en début de stream. J'ai gagné la guerre, non? Ouais, j'ai gagné la guerre. Allez, barrez-vous. Un lion blanc. Un lion génial. J'ai réussi à gagner alors que j'avais le mauvais camp. 3 capitaines tués, 33 soldats tués, un Fenella tué. Je gagne plus de 1000 pièces, des récompenses. J'ai hyper bien géré ce coup-là. Ça m'a été hyper lucratif. Ah bah je gagne un trophée aussi. Je sais pas ce que c'est. Ah là 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 là. Gagnez votre point d'attaque de conquête territoire région. Ok. Cool. C'est logique du coup. Et ouais, un lion. D'ailleurs, j'ai même pas ramené ma récompense. Donc là, j'ai un beau casque, niveau 21. Plus 13, plus 29. Je sais pas parce que j'ai gagné d'autres. 19, 21, d'accord. Plus 72. Tu vois pas de casque légendaire? Non, toujours pas. Ils prennent leur temps un peu, j'ai l'impression. Oui, vas-y, tu ne dis pas de problème. Bisous. Bisous et bonne douche. Il y a combien déjà? Je sais plus. Des voilà. Le culte n'est rien sans moi. Oh, même les dieux se cachent en me voyant. Soumets-toi ou meurs. Ah ouais, d'accord. Ok, j'ai peut-être pas bien fait de dévoiler. Mais en soi, on savait qui c'était. Mais normalement, fantôme de Cosmos. Ça devait être un palier au-dessus, j'imagine. T'es sur le live, Cindy, pour répondre à ta question ou pas? Faut le tuer? Ouais, j'imagine qu'il faille le tuer, mais non.
Non, non, il n'y a pas de raison qu'on le tue non plus. On verra bien. Mais je pense pas qu'on le tue réellement. Je faisais les quêtes de... Les quêtes de... Comment s'appelle la meuf? Les filles d'Artemis. Donc j'aime battre le lion. J'ai battu le lion. Et le prochain level que je pourrais battre, c'est niveau 33. J'ai battu le lion, alors sans le faire exprès, je me suis totalement perdu dans les dans la savane. Je vais aller finir la quête, même si en soi, j'aurais peut-être pas arrêté de récompense. Mais au moins, ça va être... Ça va être plié. Allez là-haut. J'ai regardé là où vivre en fond. Ouais. Ouais, ça va, c'est pas trop galère. T'as arrivé à regarder le live. Que tout à l'heure je te parlais, tu m'entendais pas, mais. Du coup, je sais même ce que je te disais. Merde, attends, je recherche le live. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Je te disais. J'ai même plus. Et ouais, du coup, alors je pense pas streamer longtemps. Je pense pas streamer extrêmement longtemps. Je sais pas ce que je vais faire ce soir, mais je pense pas streamer longtemps et je pense me coucher genre vers 23h30. Minuit maximum, aller au lit et réellement dormir ce soir. Ouais. Bon allez, on va retourner la meuf qui veut me pécho. On va retourner la meuf qui va nous pécho ou on va retourner la voir en fait. Je suis heureuse de te revoir. J'ai la peau du lion. Je reviendrai bientôt. J'ai la peau du lion. La peau du lion de Némé. Magnifique, comme celle qui l'a tué. Merci beaucoup. Tout comme toi, je suis magnifique, oui. Je pourrais répondre en mode, voilà, je suis magnifique, arrogant, c'est ce que j'aurais répondu en vrai. Parce que je suis magnifique, évidemment. Mais je lui réponds un truc du genre, tout comme toi, parce que je me la pécho. La force est impuissante face à la beauté. Même Héraclès y a succombé. Tes paroles ont raison de moi, comme les âmes ont eu raison de ces animaux. Tu connaîtrais pas un platine à faire en 5 minutes max? Non. Assez parlé une autre fois, assez parlé. Tu n'as encore rien vu. Non. Déjà? Ah, 5 euros. Oh, elle m'a donné une arme, excellent. Niveau 22. Mais c'est une arme qui a de la gueule, c'est cool. Et une nouvelle gravure. Bah je viens de passer niveau 22, cool. Ça m'a fait level up de pécho. Et pour répondre à ta question, Cindy, oui, pourquoi pas. Si tu veux, on fait comme d'habitude, y'a pas de problème. Y'a pas de problème, mademoiselle. Niveau 22, j'avais pas des équipements niveau 22. J'ai un équipement niveau 21 qui me donne un peu plus de bouclier. Par contre, la tenue elle est dégueulasse, je préférais tellement celle d'avant. J'aimerais bien m'habiller que en or, mais bon, ça coûte super cher. Et niveau 22, j'ai des bottes qui me donnent pas mal de défense. Ok. Ok, mais bon. Bon, j'ai pas mal de points, je sais pas comment faire. Attaque distraite d'une position meurtrière, j'ai une sorte de dégâts de Zidinin, exécution. Son exécution nécessite d'être apportée et hors de conflit. Logique. Oh. Attends, ça marche comment? De cheater. On va acheter ça, ça. Ça. Et ça. Et le reste, je vais économiser pour quand je me fais des points. Du coup, je sais pas si tu m'as entendu. Je pense pas qu'il m'a entendu, Cindy. Alors attends, tac, 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 j'ai pas fait le point d'observation là, on va le faire. Quoique ça m'est un petit peu utile. Inutile, pardon.
C'est quoi la quête que je viens de faire? Ouais, c'est pas une quête principale. Des jeux à 5€ facile à platiner? Si, j'en ai. J'en ai. Alors, des jeux à 5€ facile à platiner. J'en ai vu récemment. Alors, j'ai donné une liste à Edgeor il n'y a pas longtemps. Oh, les gens qui m'invitent sur leur Discord, j'en peux plus. J'avais envoyé une liste à Edgeor récemment de jeux faciles à platiner. J'ai retrouvé un 5€. Bah voilà, celui-ci. Il est à 4€. Je sais pas du tout le temps qu'il faut faire, mais je sais qu'ils sont simples à patiner. Mais je pourrais pas te dire, regarde un guide ou regarde quelque chose avant. Je te l'envoie sur Twitter. Celui-ci, il vaut 4€. Il doit être fait en alentours entre 1 et 5 heures, j'imagine. Tu regardes un guide et tu me dis si je te convainc. C'est pas un jeu avec des calculs, je sais pas. Je crois que. Je crois. Az avait dit qu'il allait. Qu'il était simple. Bah, je sais qu'il est simple, sinon je t'aurais pas conseillé à Edgeor. J'ai dû le voir aussi qu'il était pas trop compliqué à faire. Après avoir, du coup. Le lieu sera bien défendu. Ton plan a marché, on dirait. Ces hommes m'ont tendu une embuscade. C'est ce qu'on m'a dit. Et tu n'as eu aucun mal à t'occuper d'eux. Ce n'était pas mon premier combat à Corinthe. Ni ton dernier. Nous allons punir le maquignon au théâtre. J'ai préparé une pièce à la corinthienne qui marquera les mémoires. Brasida s'inquiète de l'anarchie qui risque de régner à la mort du maquignon. Il veut qu'il meure, mais sans causer de troubles. Nous sommes loin de Sparte. Et lui aussi. À Corinthe, on fait comme les Corinthiens. Attourerons-le au théâtre, je veux l'amener dans la cour. Vous voulez qu'on fasse quoi? Réponse 1 ou 2? L'emmener au théâtre? Ou l'amener dans la grotte? On parle de qui déjà? Je sais plus. Bon, la grotte sera peut-être plus une mission un petit peu par la force. Et le théâtre un petit peu plus par la séduction en mode « Oh, viens ici mon minou ». Je suis d'accord. Place au spectacle. Retrouvons-nous là-bas. Tu dis ça parce que cette représentation t'es en conflit avec Tico, non? En train de télécharger la vidéo là. Il reste 2 heures de téléchargement, c'est abusé. Hein. Avec ma connexion, genre c'est pas instantané. C'est tellement chiant. Ah, je voulais tester les compétences que je viens d'acheter. Je vais essayer de tuer quelqu'un, non?
J'ai trop envie de me prendre assez haut. Assez haut, c'est quoi? Assassin's Creed Origins? Toi, tu veux prendre Assassin's Creed Origins? Ou Odyssée? Je voulais te donner un spectacle. Je veux que tu vois le visage de ceux à qui tu as fait du tort. Et ton sang si précieux éclaboussera leur visage. Putain, de ses gueules. Ou comme j'aurais dû le faire avec Mirin. Non, tu parles d'Odyssée, mais tu veux le prendre pourquoi? Tu vas pêcher tout le monde, Aurel. Mais ouais, Origine Odyssée, je suis bête, hein, c'est... Je suis bête, nul. Non, tu peux parier que si, ma mignonne. Retire tes sales pattes. Et quand je régnerai, je t'arracherai la tête. Et je l'enverrai au culte en guise de preuve. Assassin's Creed d'origine, prends-le, hein, s'il vaut 10, 30, 20 balles depuis le temps qu'il est sorti, vu qu'il y en a nouveau. Tu vas le trouver pour pas cher, prends-le, Chico. Il vaut large le coup, hein. Si tu veux pas dépenser beaucoup d'argent dans Odyssey, parce qu'il vient de sortir, enfin il n'est pas encore sorti du coup, mais parce qu'il sort bientôt, prends Origine. Tu as connu ma mère? Une vraie saleté, ta mère. Une plaie. Mais je vais lui rendre la pareille. Quand j'en aurai fini avec toi. J'irai la retrouver, et je lui apporterai ta vilaine tête. Pas si je lui apporte la tienne avant. Ça n'aura aucune importance lorsque ta cervelle décorera la scène. Fous le camp de mes rues, espèce de charogne. Elles ne t'appartiennent plus, maintenant. Fiche-moi le camp de mes rues. Membre du culte. Oh, c'est un membre du culte. Niveau 22 en plus, c'est mon level. Oh, et il me donne enfin un casque en or, ça fait longtemps que j'en voulais un. C'est cool, lui il va m'apporter tellement de bonnes choses. J'ai hâte de le tuer, ce bâtard. Oh, en plus, je vais en faire qu'une bouchée. Avec la meuf là qui m'a donné une bonne arme. Bah ouais, putain, c'est abusé. Elle est trop cheatée son arme. Excellent. Hey, il est trop faible, mec. Tu vas faire quoi, s'il te plaît? Allez, t'es mort. T'es mort. Je te laisse mourir par le feu. Ah non, il y a d'autres gars. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent? Jikoum. Qu'as-tu de Jikoum? Ah, je t'ai dit que tu vas coucher avec tout le monde, Aurel. Tu faudras vraiment la jouer RP. Peuple de Corinthe, voilà le rat qui te vole ton pain. Le fléau qui te prive de tes récoltes. En tout ça, ton honneur, il est à moi. Soit je la laisse, elle, tuer le mec. Soit c'est moi qui le tue. Je vais la laisser tuer le gars. Et ma tenue, en fait, elle est pas mal, hein. J'aime bien. Tu attends ça depuis longtemps. À toi l'honneur. Avec un plaisir que tu n'imagines pas. Ah ouais, quand même. Il sent mieux. Depuis le temps que j'attendais ça. On peut dire qu'il l'avait mérité. Et toi, tu as mérité des réponses. Viens, j'ai à te parler, en privé. Donnez-moi mon casque!
Merde, mon bras. Elle me l'a jeté comme un morceau de viande en mode hey, regarde, bon appétit, bien sûr. J'étais en train d'écrire, en train d'écrire quoi, Aurel? Chico. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour ce que tu as fait. Et ah, ça va, 50 euros. Je peux même remercier Alcibiade. C'est lui qui t'a envoyé, après tout. Oui, c'est un homme qui gagne à être connu. Il avait surtout compris que tu pouvais sauver Corinthe. La ville s'apportera mieux. Tant que j'obtiens ce que je veux. Je vais être un petit peu égoïste. Sa mort va me rapporter à moi aussi. C'est le principal. Parle-moi. Myrine, oui. Elle n'a passé que peu de temps à Corinthe, mais elle m'a fait forte impression. Une vraie tornade. Ça ressemble bien à mon souvenir. Une femme forte, d'une grande intensité. Elle a cherché à s'installer ici, à Corinthe, mais je crois qu'elle n'a jamais trouvé ce qu'elle cherchait. Ah ouais, Slade. Tu parles d'elle avec affection. Tu te donnes le jour. Vous étiez amis. Nous nous entendions bien, mais il y avait en elle un grand vide auquel personne ne pouvait accéder. Après Corinthe, où est-elle allée? T'en envoies un autre, tu me dis ce que t'en penses. Je l'ignore. Elle a dû te laisser un indice. Je crois qu'elle-même ne savait pas où elle irait. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a gagné un navire lors d'une partie de dés. Tiquet lui devait bien ça. Mais je n'ai jamais oublié le nom de ce navire. Le chant de la sirène. Le chant de la sirène. Il était connu pour avoir résisté à tu l'as déjà fait de Poséidon. Bah, tu l'as le jeu sur ta play. Puissent les dieux veiller sur toi, Cassandra. Reviens quand tu veux. Je te donnerai des nouvelles de Corinthe. Sinon, non, il n'y en a pas vraiment d'autres qui m'en viennent. Ça s'annonce assez intéressant, je crois. Le mien aussi. Oh. Le chant de la sirène. Je te le prendrai alors. Quelqu'un qui connaît ce bateau, j'aurais fait un pas de plus. Yo, Nonolan, bonjour. Alors, j'ai gagné pas mal d'XP, j'ai tué un mercenaire. C'est lequel que j'ai tué? Je crois que c'est lui en bas. Lui, bientôt, je vais pouvoir le tuer à moi tout seul. Hein. Il est niveau 29, mais je pense que je vais pouvoir me le faire. Navire. Donc, du coup, j'ai gagné des nouveaux membres. Ouais, c'est des vieux gars dégueulasses. Oh, ils sont les... Ah ouais, tranquillement, étonnant. Alors du coup, attends, faut que je mette une équipe avec de l'or. Donc, or. Or. Trophée, je suis une légende. Et maintenant, on va remettre des trucs de mon level. Qu'est-ce que j'ai changé? Les gants, je crois. 29. Et l'arme, j'ai un truc de niveau 21. 21, on va mettre ça. Le casque me va à merveille, il est excellent. Je voudrais que ça continue son échange quand tu m'aurais fait mes platines. Mais tout à l'heure, sous la douche, je sais plus ce que je faisais, je faisais autre chose peut-être. Bref, je me disais que. Tu étais la seule personne qui était vraiment honnête, en qui je pouvais avoir vraiment confiance en soi. Parce que les autres... Enfin voilà quoi. J'espère m'être fait comprendre. Mais ouais, les Raiders, Chico, tout ça, ceux à qui je prête mes comptes gentiment parce que je leur fais confiance. Et qu'on donne des contreparties qui font
Ah, qui mentent, qui sont là en mode oui, on verra. Ou... Toi, au moins, t'es honnête et à 100%, donc ça, c'est cool. Capitaine Batine, c'est toi, Tuco. Mais en gros, je peux pas te faire confiance à 100%. Si je te donne une tâche à accomplir, à tout moment, tu peux abandonner. À tout moment, tu peux faillir à ta tâche. À tout moment, tu peux faire faux bond. Pour l'instant, j'ai pas eu un plan de ce slide. Il m'a jamais fait faux bond. J'ai abandonné, Max. C'est ce que je pensais en disant ça, mais tu l'as pas abandonné. Tchou, bref, tchou, de quoi qu'il tchou, Tuco. Au revoir. Non, parce que ciao, c'était je parlais comme ça en fait, Tuco. Je comprends pas. Non, mais c'est vrai, je disais ça en pensant à Slide en fait. Vu que Sally m'a demandé mon compte et je lui ai dit, vas-y, si tu veux me faire. Il m'a dit qu'il avait un jeu qui se faisait en 5 minutes. Sur son compte, oh, des Spartiates d'élite. Oh, ah, mais les faux de mon bateau de suite. Et comme quoi, voilà, ça, je pouvais vraiment lui faire confiance. Quand il disait quelque chose, bah, il le faisait. Il était pas là en mode, il disait pas des choses pour me faire plaisir ou des choses juste par intérêt. Quand il dit des choses, c'est qu'il le fait ou alors il s'est donné moyen de le faire. Et ça, c'est unique. Non, c'est une bonne chose. Non, mais ça me saoule que moi, il m'a demandé juste une chose. Je l'ai fait. Et Raider, un peu de moi, doit lui faire un jeu. Ouais, depuis deux mois, il doit me faire un truc. Mais à Raider, je lui ai dit, il s'est engagé à quelque chose, surtout que il est chiant parce qu'il m'a promis. Il m'a promis le faire un week-end. Je sais plus quel week-end, il y a un week-end il y a 2 semaines peut-être, il m'a promis de le faire. Et après, il m'a redemandé mon compte. Enfin, il a rien fait, et du coup, il m'a redemandé mon compte. Je lui ai redit oui, pas de problème. Il m'a dit, bah, prépare ton compte et promis, mercredi, je te fais ton platine. Pas de soucis, je commencerai à faire le jeu, pas de problème. Et mercredi venu, il vient, il fait le malin en mode oui, tu m'as je t'ai promis de faire ça, prouve-le-moi, nanana. Parce qu'il y avait Azron sur le live et qu'il faisait le malin parce que Azron le poussait à dire de m'envoyer me faire foutre en mode il a profité de mon compte, maintenant ce qu'il a eu ce qu'il voulait, il se barre et il fait autre chose. Du coup, tant qu'il me file pas mon compte, je peux pas lui faire confiance. Si il ment toutes les 5 minutes. Je peux lui dire, mec, continue de mentir, ça fait plaisir. Ça peut me prendre pour un con et. Je vais bien être gentil, je vais bien vous faire totalement confiance en vous prêtant mon compte, ce qui est. Quelque chose que je tiens beaucoup quand même, hein. C'est mon compte. Que je vous prête tous mes comptes, que je vous prête tous mes jeux, que les développeurs me donnent des jeux et que je vous les partage gentiment, il n'y a pas de problème. Vous pouvez connaître et découvrir des jeux sans les payer, sans vous ruiner, sans demander de l'argent à vos parents ou quoi que ce soit, mais qu'en fait derrière il n'y a aucun retour ou c'est juste du foutage de gueule, c'est pas cool. Me voilà. Et c'est pour ça que je lui dis, au moins du côté de Slide, je sais qu'il n'y a pas ce côté foutage de gueule, ou en mode qu'il profite en fait. Non, tu mens pas, tu commets, t'es lourd. Il faut faire quelque chose, Tuco, faut te pousser. Si on ne pousse pas,
T'abandonnes, tu fais rien. Si, Aurèle, je te fais confiance. Bonjour, jeune femme. Tu viens offrir un sacrifice à Asclépios ? Non. Mais je cherche une mère spartiate qui l'a peut-être fait. L'auguste Héra guide de nombreuses mères vers ce lieu sacré. Mais ma mémoire est trop fragile pour me les rappeler toutes. À quoi servent-elles, ces dalles de pierre ? Et le partenariat ? De quel partenariat ? Nous prenons note de tous ceux qui viennent ici. Maladies, traitements, afin qu'on puisse louer la gloire d'Asclépios. Alors, peu importe tes souvenirs, il suffit de trouver la bonne pierre. Oui, bien sûr. C'est une pensée très sage, si seulement j'avais le temps de t'aider. Tu n'as rien à craindre de moi, je vais te faire souffrir. Écoute, je ne te veux aucun mal. Je cherche simplement ma mère. C'est à cause de Crisis. Son emprise s'étend à tous les prêtres du sanctuaire, et malheur à celui qui fournira des informations à la porteuse d'aigle. Alors, ne me dis rien. Contente-toi de m'apporter la pierre qui me renseignera. Viens avec moi. Mais vite, mieux vaut rester discret. Je te suis. Allez, viens. Par ici. Si quelqu'un nous observe. Bah oui, du coup. Normal, toi quand on te demande quelque chose, tu. Les prêtres n'y sont pas il faut qu'on te force, alors que Slide, il le fait de bonne foi. C'est pas une critique, c'est juste la réalité, tu sais, c'est pas méchant non plus. Tu sais que je t'aime bien et on discute souvent ensemble, t'es cool et nanana, il n'y a pas de problème du coup. Mais des fois, c'est pas facile. Ah, je me souviens de ce récit. Il date de l'époque de la grande révolte des Ilotes. Tu n'étais sûrement qu'une enfant alors. Je me moque de l'histoire. Donne-moi les détails. On y parle d'une femme qui avait des vers dans la gorge. Asclépios lui a ôté la tête pour qu'on les lui enlève. Puis l'a remise en place pendant son sommeil. Non, ce n'est pas ça que je cherche. Je me demande ce qu'Hippocrate penserait de ces traitements. Hippocrate est un bon guérisseur. Il était si prometteur. Était ? Il soigne des malades en ce moment. Il se fie beaucoup trop à ses mains. Il croit assez aux dieux. Quand il est question de vie ou de mort, je préfère les mains. Tous ces témoignages sont aussi insolites. Les auteurs d'aujourd'hui, Thucydide, Euripide, le pétulant Aristote. Attends, ils sont où là ? Tous cherchent le réalisme. Ce qui inspire. Je vais pas monter moi aussi ? C'est la croûte. Il va où ? Ça aurait été énorme. Bah, il aurait peut-être fait la prochaine fois. Tu vois, on pensait qu'il allait avoir peut-être 100, 200... Avec Edjo, on disait qu'il allait avoir 400, 500 viewers sur le live. Et au final, il y a vraiment pas beaucoup de monde. Et ça nous étonne. Du coup, Ubisoft, ça, en voyant ça, ça les motive pas non plus à faire des giveaways. C'est sûr que s'il y aurait eu 600, 900 000 personnes... Oh, et là, ils se sont dit, bon... On peut en fournir 2-3, et même c'est moi je leur aurais demandé 2-3, tu vois. Mais là. Malheureusement. Ça marche pas sur moi. Parle-moi de Crisis. C'est une femme puissante et dangereuse. Ça n'a pas toujours été le cas. Les prêtres l'ont recueillie et lui ont enseigné la voie des dieux. Elle était déterminée. Elle a appris très vite. Et il n'a pas fallu longtemps pour que ce soit les prêtres qui l'écoutent. Tout le monde l'aimait, mais son cœur renfermait une colère impossible à apaiser. Quand ses méthodes tournèrent à la folie, tous ceux qui tentèrent de s'y opposer furent... Et celle-là ? Laisse-moi deviner. Il est question d'une femme aveugle dont des serpents ont léché les yeux. Il est écrit « De Sparte ». Venu ici avec enfant, des dieux implora la pitié. Pourquoi a-t-on presque... Ah mais bon, entre 300
et 500 yens. Ah, il y a une grosse différence, malheureusement. Je connais cette histoire par cœur. Cette Spartiate est arrivée sale, les pieds en sang après son voyage. Nous l'avons recueillie, nourrie, baignée, et elle est repartie. J'ignore où elle est allée. Quant à l'enfant, on n'a pas pu le sauver. Qui peut savoir où elle est partie? L'enfant, il parle de quoi? Retrouve-moi plus tard près de l'olivier d'Héraclès à l'entrée du sanctuaire. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Je sais pas s'il parle de mon frère. Un prêtre et une mercenaire qui se promènent ensemble. Que les dieux t'accompagnent, Pleistos. Je me rendais aux archives quand cette Mystios est tombée sur moi. Vraiment? Tu me viens de recourant, celle-là. Et de quoi pouviez-vous parler avec tant de ferveur? Nous parlons de ma mère. Nous parlions de blessures à l'épée. Je cherchais le... les termes. Je cherche ma mère. Je vais être honnête. Une Spartiate qui est venue ici. Ce prêtre m'a gentiment conduite ici à cette pierre. C'est peut-être la sienne. Je dois... j'ai quelque chose... Bon, je dois y aller. Nous soignons les malades, porteuse d'aigle. Et... nous respectons la vie privée de nos patients. Maintenant, pars. Ta présence ici n'apporte rien de bon. Attends, hop. Ah ! Merde, j'ai fait tomber un truc. Allô ? Merde, le con. Salut. Lego Dimension. C'est un jeu qui a l'air de valoir le coup de ouf. L'image du stream, elle bug souvent, je trouve. Tu es ici pour ton bain de purification, tu en seras quitte pour revenir. Je cherche des informations. Dans ce cas, va te faire voir chez Hadès. Il faut que j'en sache plus sur une Spartiate. GG, il y a bien des années. T'es déjà arrivé à 40. Les oreilles bouchées par les fientes de ton aigle. Pas mal, GG. On m'a donné l'ordre de ne pas parler aux mercenaires. Et surtout pas de Spartiate, ni de bébés blessés. Ce va être ta langue. Tu sais quelque chose? Je n'ai jamais parlé de bébé. Tu te crois maligne? Beaucoup de femmes viennent ici avec des bébés. Va-t'en, j'ai déjà assez de soucis comme ça. Je peux peut-être t'aider. Des serpents! What? Des serpents? Il y en a partout. Ils ont dû s'échapper de la Tholos. On les garde pour les soins, mais ils ont envahi les thermes. Et donc, ils ont tué quelqu'un? Un patient était en train de se purifier quand ils sont arrivés. Il avait une peur incroyable des serpents. Il en est tombé raide mort. Et maintenant, ils sont installés dans son corps. Ah, et ouais, si calme. Je réglais cette affaire de serpent, tu accepterais de me parler? Oh, avec grand plaisir. Le bain de purification est une étape cruciale de la guérison. Je oui, bien sûr. De cette affaire de serpent. Ensuite, tu me diras ce que je veux savoir. On va suivre la 4. Les 5% sont là-haut. Et il a 60€ sur ses discounts, d'accord. Après, je peux essayer de prêter mon compte, mais je vais pas le faire à tout le monde. Et en même temps, tu vois, va falloir vous relayer. Bonne chance. Déjà, j'aimerais bien le prêter à Cindy pour qu'elle puisse tester le jeu, mais elle doit faire autre chose. Donc je peux, enfin, même si elle est en train de faire autre chose, elle doit faire les Lego les indestructibles. Et pendant qu'elle fait ce jeu là, elle pourra pas faire un autre jeu en fait. Fou, j'ai où? Ah, c'est l'eau. Du coup. Bon, du coup, faut voir ça ensemble. Ah!
Dieu ! Le feu ! Alors ? Les serpents ont quitté les thermes ? J'ai mis en pièces ces immondes malakès, jusqu'au dernier. Mes petits ! Qu'est-ce que tu as fait à mes pauvres petits ? Tes serpents avaient infesté mes thermes. Un malade est mort à cause d'eux. Toi ! C'est toi qui as fait ça ! Oui, sans hésiter, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Ouais, je veux dire, j'ai fait ce qu'on m'a dit. C'est la première fois que je réponds... Enfin, c'est la deuxième fois ou première fois que je réponds avec une balance. J'ai fait ce que m'a demandé Pilénor. Quoi ? Comment oses-tu ? Bah c'est vrai. Je ne t'ai jamais dit de les tuer. Comment as-tu vu Pilénor ? Vous allez le payer. Au nom d'Hadès, je vous maudis. Alors ? Alors quoi ? Je me suis occupée de ces serpents. Et maintenant, tu vas me parler de cette Spartiate et de son bébé. En fait, je ne sais rien du tout. Oh, le PD. C'est bien plus ancien que moi. Si quelqu'un sait quelque chose, c'est Midon. Mais il ne te dira rien. Il ne parle plus à personne. Mais what ? J'ai tellement bien fait de le... J'ai tellement... Oh là là, bien fait de... De réponse que j'ai répondu. Ok, et eh ben, va te faire enculer. Alors... Au moins, j'ai obtenu un nom. Midon. En anglais, lift, left. C'est gauche ou droite? C'est gauche. Dis-toi que L1, c'est lift, et donc du coup, c'est gauche. L, c'est gauche. Et R, c'est droite, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que je retiens, en fait, moi. L'arbre d'Héraclès. Je me demande si on l'aime pour la légende. Il connaissait le châtiment s'il parlait d'elle, Alain, porteuse d'aigle. Crisis a été clair. Vous n'aviez pas besoin de le tuer. Mais on l'a fait. Et maintenant, à ton tour. Ah, oh, ok. Tu auras appris quelque chose ce soir, Slide. Attends, il y a tellement de gardes là, sérieusement. Je vais pas me foutre la paix, les gars. Pourquoi moi ? Quelqu'un vient de m'aider ! On écrira des chants sur moi après t'avoir tué. No!
Bon allez, arrêtez de me suivre. Tu es dit Stra, je sais pas trop quoi. Ok. Pas de problème. Une nouvelle lance, c'est ce qu'elle est utile. Je suis dégoûté, j'ai déjà. Oh, tu vois, c'est Skunt 15 minutes après que si Skunt est ouvert. La vente, ah ouais? C'est étonnant, dis donc! C'est étonnant! Tu crois que le jeu est beaucoup trop populaire? Mais ouais, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Mais en rupture de ça, carrément, genre une grande enseigne comme Cdiscount, c'est chaud quand même. Bon, je finis cette mission principale. Dites-moi combien je suis d'uptime les gars s'il vous plaît. Je vais essayer de faire durer le. En gros la séquence 2 heures, je pense que 2 heures c'est pas mal. Je vais 1h42, le temps de finir une ou deux missions. L'empêcher de souffrir. Elle va vivre? Seulement si les dieux exaucent nos prières. Beaucoup d'Athéniens malades sont arrivés récemment en Argolis. Et peu en sont repartis. La pauvre souffre du même mal. J'ai m'attendu, je jure, des informations. Je vais pas lui dire que j'aimerais l'aider, j'espère qu'ils vont pas me pousser à l'aider. Je cherche des informations à propos d'une spartiate qui serait venue ici. On m'a parlé d'une porteuse d'aigle. Une tueuse sans pitié, voilà ce qu'on m'a dit. C'est moi. Et tu te risquerais à refuser à une tueuse sans pitié les informations qu'elle réclame? Ma tâche est de soigner les malades. Aide-moi à gagner l'attention des dieux, je te dirai ce que je sais. Mais non, vous êtes sérieux? Et qu'est-ce que tu veux, au juste? Il n'existe apparemment pas de remède à son mal. Et il se propage. Nos sacrifices n'ont pas su attirer l'attention des dieux. Ils sont restés sourds aux porcs et aux chèvres. Il nous faut une bête dont le sang attisera ses flammes, pour qu'Asclépios puisse les voir. Et à quelle bête penses-tu? À Lyon. On raconte qu'un taureau, à la robe aussi blanche que la neige, vit aux alentours du sanctuaire. Va à l'ouest, en direction de la côte, ramène-le-moi en vie, et nous offrirons aux dieux un sacrifice qu'ils ne pourront ignorer. D'accord, c'est cool. Je vais te trouver ce taureau. Oh! En plus, je crois que c'est dans des ruines anciennes. On a vu le taureau près des ruines Assini. Ah, mais je crois que j'ai déjà fait ces ruines, il me semble. Mais il n'y avait pas de taureau. Le taureau sacré, non, le taureau près dans la partie nord, non. On l'a vu près des ruines anciennes. On va aller là-haut. Joli Cindy. Bon du coup de mon côté je finis la mission et je vais y aller aussi parce que je commence à avoir les yeux fatigués hein, vu qu'on s'est couché tard hier. Je sais pas combien de temps on a dormi hier. Je sais même pas si tu m'entends parce que ça se trouve je parle dans le vide, je te vois. Je sais pas si c'était là. Taureau blanc. J'arrive trop tard? Ah oui, je les avais fait ces ruines. D'accord, je me souviens. T'as entendu tout ce que je viens de dire? Oh, il y a le taureau. Il est mort. Trouver et ramener le taureau. Je vais bien. On ne peut pas dire qu'il ait accepté sa mort. Oh, le pauvre. Je vais apporter son cœur pour le sacrifice. De mieux. Oh, pas très agréable tout ça. Deux heures, t'es sûr? Non. S'ils veulent le taureau entier, non, il me semble encore plus tard, il me semble genre 3 heures ou un peu plus. Hein. Il me semble t'avoir. Il me semble que t'es dit genre qu'on allait dormir à peine 4-5 heures. Non?
5h40. D'accord, ouais, peut-être, je sais plus. Peut-être, t'as peut-être raison, peut-être, j'ai mis un doute. Ouais, voilà, ça devait plus être ça, Cindy, je pense. Je t'en prie, aide notre fille. Le même mal que les autres. As-tu trouvé le taureau blanc? Je n'ai pas réussi à le ramener en vie. Mais je me suis débrouillée pour te rapporter son cœur. Cela ne suffira pas à gagner les faveurs d'Asclépios. Le taureau est mort sans accepter son sort et son cœur ne permettra de prier que pour une seule vie. Nystios, le taureau blanc que tu as tué était à moi. Ma ferme nourrit la moitié de l'Argolis. Et si je meurs, ce sera la famine. Je t'en supplie! Ce mal m'a enlevé mon mari. J'ai deux jeunes enfants. Qui s'occupera d'eux si je meurs? J'ai de l'argent. Je te paierai pour ce bienfait. Très bien. Fais ce sacrifice pour eux. À toi de choisir celui ou celle dont les prières seront entendues par les dieux. L'éleveur? Donc celui avec qui on a tué sa vache? Bah c'est pas moi qui l'ai tué, hein, c'était quelqu'un d'autre. La femme riche. Je vais... La petite fille. À vous de choisir. J'ai pas envie de me mouiller pour ce triste sort en fait. Moi là, à ma place, je pense que je choisirais la petite fille parce que elle a la vie devant elle, parce que à la base c'est pour elle qu'on va faire la mission, parce que elle le mérite plus que les autres. C'est pas une vieille femme de 72 ans riche qui pourra léguer toute sa fortune à tous ses enfants. Qui ont, s'ils ont une nourrisson, ça va être chaud, mais elle trouvera bien quelqu'un qui payer ou des amis, j'espère. L'éleveur, bah, il a perdu une vache. Une vache, je sais pas, même parler de famine, tout ça, mais bon. Ouais, mec. Donc à vous de choisir, les gars. Toi, tu choisis la femme riche. L'enfant pour elle. Cindy, toi, tu choisissais quoi, toi? Quel choix ferais-tu si t'étais à ma place? Tu penses qu'on va choisir l'enfant, la petite fille, du coup? La petite fille, toi aussi? C'est un choix, pourquoi j'ai pas écouté? En fait, quand on est arrivé sur le lieu du taureau sacré, etc., qu'on devait rapporter pour le sacrifice, il était déjà mort. Il a été tué par des brigands, en fait. La vache a été tuée, enfin, le taureau a été tué. Du coup, j'ai juste pu ramener son cœur. Et le médecin, il est là en mode, écoute, ça suffira pas. Ça pourrait servir que pour une personne, on pourra pas sauver le village avec un simple cœur de bœuf. Donc, tu dois faire un choix. Pour qui sera ce sacrifice? Je dois faire couler le sang du cœur pour sauver l'une des personnes. En sachant que c'est juste des croyances, etc. On est d'accord qu'un cœur de bœuf que tu vas faire brûler ne va pas sauver la vie d'une petite fille. Mais en soi, c'est pour l'image qu'on donnera aux gens. Donc on va sauver la petite fille du coup. Et salut, Rox, bienvenue à toi. Être un enfant abandonné, je connais. Prie pour cette petite fille. Tu vas le regretter. C'était un choix difficile, Mystios. Mais tu l'as fait. Tout est maintenant entre les mains des dieux. J'ai fait ma part, prêtre. Après, c'est un choix que tout le monde fait. Tu l'as connu? Sa visite au sanctuaire a marqué notre histoire. Mais c'était avant que je sois là. C'est Midon. L'aîné des prêtres que tu dois aller voir. Il parlait souvent d'elle. Du moins, avant qu'il ne se coupe la langue. Oh merde. Quand il ne soigne pas les malades, il est à l'auberge. Il y passe beaucoup de temps avec les servants. Merci. Ah d'accord. Je n'oublierai jamais ton aide. Comme ces gens n'oublieront pas la tienne.
Un cœur pour une tête. Bon, en tout cas, les vieux, là, ils ont mal réagi, hein. Tu vas la regretter. Ok. Quête terminée. Je suis 1100 XP. Je suis presque niveau 23. Est-ce que j'ai le temps de faire une autre quête? Refait point d'exclamation uptime. Bon, on va juste faire l'interrogatoire. Il va certainement me demander de faire autre chose, donc je quitterai à ce moment-là, je pense. 9 minutes. Demain, je vais essayer d'avancer un petit peu. Je sais pas si je pourrais finir l'histoire. Si je dors bien, si je me réveille tôt. Je vais peut-être me focus que sur l'histoire, histoire d'avancer à fond dans l'histoire. Ou alors, je fais les trophées. J'en ai pas mal encore à faire. De toute façon, l'un ne va pas sur l'autre. Oh non. Comment il embrasse? Garde! Ils sont morts. Et toi? Juste personne. Tu dois être Midon. Il ne parle pas. C'est ce qu'on m'a dit. J'aimerais savoir pourquoi. C'est à Crisis qu'il doit ça. Oh! Je croyais qu'il se l'était fait lui-même. Pour lui prouver sa loyauté. Et pourquoi Crisis aurait-elle demandé à un prêtre de se trancher la langue? Midon est un homme bon et généreux. C'est de lui que j'attends des réponses, pas de toi. Parle-moi de la femme spartiate à l'enfant. Il ne peut répondre que par oui et par non. Je sais pas où tu t'es coupé la langue. Est-ce que la femme s'appelle Myrine? Donc c'est ma femme. C'est ma mère, pardon. Elle s'appelait Myrine? Ouais. Parce qu'il y avait... On dit qu'elle avait un bébé avec elle. Oui. C'était le sien. L'enfant était sur le point de mourir à leur arrivée. Midon a prié pour sa vie. Donc là, on parle forcément de Alexium. Est-ce qu'elle t'a dit où elle irait ensuite? Ouais. Je sais pourquoi Crisis t'a obligé à te couper la langue. La nuit où ma mère a amené mon frère ici, toi et tes saletés de prêtre l'avaient laissé pour mort. Et Crisis a pris ses précautions pour que tu ne puisses jamais parler. Ce n'est pas ce qui s'est passé! Qu'est-ce que tu en sais? Tu es trop jeune pour y avoir assisté. Il m'a souvent raconté cette histoire avant que cette sorcière le prive de sa voix. Il a essayé de sauver le bébé. Il a fait tout ce qu'il a pu. Une partie de soirée à regarder le jeu, ouais, mais bon. Je préfère couper assez tôt pour reprendre plutôt demain. Mort ? Comment mon bébé a-t-il pu mourir ? Je ne sais pas quoi te répondre. Tu as eu de la chance que ton enfant survive aussi longtemps. Cette chute a été terrible. Mon bébé ! Mon enfant ! Écoute, nous ne pouvons plus rien pour toi. Tu ferais mieux de partir. Loué soit Hera. Tous les deux. Je les ai perdus tous les deux. Désolé Aurel, désolé. Demain je reprendrai, je pense, vers 9h30, comme ce matin. Je crois que j'ai commencé vers 9h15, il me semble. Il a pleuré pour cette spartiate, si loin de chez elle. Son bébé n'avait presque plus forme humaine. Il respirait à peine. Raconte-moi, je t'en prie. Il faut que je sache. Même Apollon n'aurait pas pu sauver l'enfant. Midon m'a raconté les pleurs de la spartiate. Elle tenait le bébé dans ses bras, chantait pour lui, avant de l'abandonner au dieu. Crisis a pris le bébé, n'est-ce pas? Et elle t'a obligé à te couper la langue pour étouffer la vérité. D'accord. Où est Crisis? Il y a un hôtel où l'on dépose les nourrissons malades dans l'espoir qu'ils guérissent. C'est là qu'elle a amené l'enfant. Il est près de la statue d'Apollon Maléatas. Tu y trouveras Crisis.
Les gens viennent à ce sanctuaire pour être guéris. Mais je n'ai vu que des mourants privés d'espoir, des prêtres sans langue, et des bébés abandonnés à une folle. Ma mère a eu tort de faire confiance à des gens comme vous. Je vais trouver Crisis. Et elle va payer pour tout ce qu'elle a fait. Chut, mon enfant. Puisse et oh, c'est elle. Notre famille sacrée. S'aventurer en Argolie. C'est quoi, Argolie? S'aventurer en Argolie, c'est où Argolie? C'est une ville là. Argolie, 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 Argolie. Et il y a tellement d'endroits de la map que j'ai pas encore visé. Je vois pas ce qu'ils veulent dire par là. Regarde cette vieille là. S'aventurer en Nargolis. Dans la chambre de qui a été Bon, ça m'aide pas beaucoup en fait. Argolis, attends, c'est ça? Non. Argolis. S'aventure en Argolis, mais c'est là où je suis, non? Argolis. C'est exactement là où je suis, hein. Il me parlait d'une montagne. Il me parlait de quoi? C'est peut-être ces missions-là, mais non, ça n'a rien à voir ça. C'est peut-être ça. Lui va découvrir. Je pense que c'est ça. On va quand même aller à la... Ah, je sais pas. En vrai, en théorie, ça doit être ça. Ah, je suis sûr que c'est ça. On y va. On y va rapidement, juste pour voir. Je dois aller à cet hôtel d'Apollon Malerias. Par simple curiosité. Et une fois que j'ai fait ça, je vais me coucher. J'ai promis, je vais me coucher juste après avoir fait ça. Je suis sûr que c'est ça la réponse à mes questions, c'est obligé. Droit, c'est beaucoup plus simple. Ah, j'espère que c'est pas une vide en fait. Oula, oula, oula. Oula, 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 oula. Ah, bah, c'est là où j'ai battu le lion. Oula, oula. Monte. Non, je te fais bugger. Je sais pas s'il est vivant le lion. Oh, par contre lui il est vivant. Mais lui il est pas vivant du tout. C'est ce lion là que j'avais tué à Slide. Je sais pas s'il est encore sur les lives. Mais il était mort bizarrement. Et je crois que je l'ai fait bugger en le tuant tout à l'heure. Il était pas mort du tout dans cette position. Et puis il m'avait l'air d'être beaucoup plus gros. Peut-être parce qu'il me criait dessus et qui m'a fait peur. On dirait une statue, c'est ça? Mais en vrai, ouais, c'est le lion que j'ai tué tout à l'heure.
Aïe, 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 aïe. Aurèle, Aurèle, t'en as de la chance, toi, en fait. Je vais libérer des otages, what? Non, bah du coup, j'ai dû me tromper, c'est pas là. Ça a rien à voir. Je sais pas pourquoi il y avait encore un point d'interrogation. Bon, c'est pas grave. Pourquoi ça? Ah non, je te dis juste que. T'as de la chance. T'as de la chance. Je voulais juste te dire que t'avais de la chance. Aïe, j'aimerais mieux en avoir autant. Je peux me déplacer? Pourquoi? Ils me suivent? T'as vraiment de la chance, ça, ouais? Pourquoi t'as vraiment de la chance? T'as un poissard, Aurèle. Non. Ok. Je mets une vidéo sur Twitter, elles sont sympas les vidéos sur Twitter. Ben. Oui, directement. Non, c'est juste un truc joli sans sympa. Heureusement qu'on a rien entendu, que ça m'a pas du tout cassé les oreilles. Pas du tout. Apparaît tellement vite dans ce genre de cinématique. Et là je passe niveau 23 je crois, non? Ouais exactement. Oh, j'ai même pas vu. On dirait des montagnes un petit peu, non? C'est joli, c'est beau. Salut, salut Win. Non, pas un poissard, mais disons que pour réussir, je ne mise pas sur ma chance, mais plutôt sur mes actions concrètes. Et bah, exactement pareil. Qu'est-ce que ça veut dire ce que tu m'envoies sur Facebook, Cindy? Tu j'ai l'impression de devoir distinguer les messages. Alors attends, tac.
Les petits chats. Les petits minous. Est-ce que j'ai des armes de mon level 22? Oui. Des équipements de niveau 23. Ça non. J'ai plus grand chose de mon niveau hein, vu que je slay un petit peu le... Je slay pas le niveau, je... Comment dire? Comment je pourrais dire ça? Je slay pas le niveau, je... Je suis niveau 15. En fait là je suis niveau 5, 4 de la lance. Et tant que je suis pas niveau 5, je pourrais pas acheter les nouvelles aptitudes. Donc bah faut que j'attende de passer niveau 5. Comment je peux faire pour passer niveau 5? Ils nous disent rien à part de tuer les gens en fait. À part de tuer les gens du culte. Sinon il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Là il me reste 10 fragments, 9 fragments. Donc une fois que j'aurai les 9 fragments, je pourrais avancer dans la quête. Là pour l'instant je ne peux pas. Bon, je me téléporte ici les gars et je vais malheureusement couper le stream. J'essaie de télécharger la rediffusion d'aujourd'hui. Il me reste... je viens de finir de télécharger la vidéo d'aujourd'hui, le stream d'aujourd'hui. Donc je vais pouvoir l'envoyer ce soir. Je vais pouvoir l'envoyer ce soir sur YouTube. Comme il y a beaucoup de temps d'entraînement, de temps de traitement. De YouTube, bon la qualité a l'air d'être bonne, tout a l'air d'être bon. Il y a beaucoup de traitements avec YouTube, donc ça va prendre un peu de temps, mais bon. Normalement, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Hop. Normalement, tac. Si vous voyez le bon écran, ouais. Non. Oui. Mais bon, en gros, ça c'est la vidéo d'aujourd'hui. Donc la qualité est bonne, tout est bon. Toi, Slide, qui pouvait pas regarder avec une bonne qualité, au moins tu pourras aujourd'hui. Mais comme la vidéo fait 9h30. Ouais, 9h30, le temps d'envoyer tout ça sur YouTube, bah ça met du temps parce que, en gros, il regarde s'il n'y a pas de copyright, c'est rien, donc ça m'attend fou. L'essentiel, c'est que la qualité soit au rendez-vous. Ah, en fait, vous voyez pas le jeu là? Vous voyez quoi? Ah non, mais je suis con en fait. Là, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Je sais pas ce que je vous montre depuis tout à l'heure. Mais du coup, demain, ça sera bon. Hop. Bon, bah les gars, je vous laisse. Merci d'avoir été présent comme d'habitude les gars sur le stream. Je vous dis à demain aux alentours de... Bah 9h30 je pense. Un petit peu avant si on se réveille dans les mêmes heures, je serai peut-être même en avance. Ce matin j'ai pris mon temps pour me préparer. Mais on va dire un petit 9h c'est envisageable. Donc pour ceux qui veulent vraiment... suivre et tout en live, je vous donne rendez-vous demain normalement à 9h. Donc désolé pas dur, je suis désolé Slide, si demain tu seras pas là. Et voilà. En tout cas bonne nuit à toi et puis enfin. Hop. Zoubi les gars, zoubi, bonne nuit, ciao.